Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2, chers amis. Donc on est parti, on est sur les docks, et on va essayer de voir la suite de cette mission qui implique la police dans des méfaits où ils utilisent justement, comme vous pouvez le voir, le CityOS pour prouver qu'ils ne sont pas en tort. Je suis en train d'analyser la mosaïque. Des trucs intéressants ? Les Tescas utilisent toujours une ambulance et la police repart toujours avec un cadavre. Attends, quoi ? Statistiquement, si tu veux transporter quelqu'un de manière sûre, le meilleur moyen, c'est une ambulance. À mon avis, je crois pas que la sécurité du patient soit leur priorité. Non. Non, clairement non. Non, c'est pas ça. Ça va me permettre de sortir d'ici. J'ai juste à faire bien gaffe à pas détruire les preuves et à pas me faire fumer. Il me reste un indice que je n'ai pas pensé à prendre. Oh là là là, mon indice! Là. Tu penses vraiment que ça va marcher? Le commissaire est réputé pour pas être patient. Son caractère va lui jouer des tours, je te le garantis. Il aurait jamais dû se retrouver là. On choisit pas toujours les gens qui nous protègent, mais il est peut-être temps que ça change. Elle arrive par où le véhicule? Par là. Cool. Donc je peux par exemple. Comment je peux faire tomber le truc? Je sais. Hop. Crac. Voilà. Pour ça, comment on va faire? On va essayer de le placer. Ici. Ok. Et il y a le mec là-bas, cela dit. Mais non, mais qu'il est... Qu'il est bête. Qu'il est bête, qu'il est bête, qu'il est bête. Hop. Hop. C'est que ça, d'accord. Ok. Est-ce que j'ai encore du... Oui, parfait. Ok, comme ça on a double explosion. C'est parti, on y va. On va voir. Bon, je suis sur le point de voler une ambulance à une escouade de flics corrompus et peut-être même de me faire buter. Les trucs cool, c'est toujours pour toi. Oh. Et c'est parti. Personne d'autre? C'est tout? Bon bah du coup... Quoi? Mais d'où est-ce qu'ils m'ont vu? Ah d'accord. Ok. Eh ouais! Désolé. Putain, c'est un sniper lui! T'es mauvais! Eh oh! Dodo! Dodo! Non, y'a pas moyen! Non! Tiens, bouffe! Ok, c'est bon. Ils ont tapé dans l'ambulance, je veux pas dire, hein, mais. Oula, il y a un bonhomme devant. Désolé. Le mec il repasse une deuxième et une troisième fois. Mais c'est pas grave. Oh là! Ils sont là apparemment. Ok. Ah, ça bouge pas comme caisse, hein.
On va aller par là. On va aller par là. Il n'y a pas de bouche d'égout. Il va me faire niquer. Te mets pas là, toi. Hop. Merde. Merde, Crédit. Vous allez me laisser passer? Laisse-moi passer, mon dieu, l'arbre. Laisse-moi passer, l'arbre. Mais merde, j'ai tout ce qui peut me gêner au monde, quoi. C'est violent. Ah. Tu conduis vraiment comme une merde. C'est méchant de me dire ça. Ah merde, ils m'ont revu, du coup. Merde. Si j'avais su. Ah. En plus, il n'y a pas du tout de musique, il n'y a pas d'ambiance dans le jeu, il y a des lags qui viennent complètement de nulle part. Allez. En ligne droite, ils me battent, donc faut que j'arrête les lignes droites. Hop. Et vous êtes sérieux les mecs là? Oh bah oui, je pourrais en avoir un paquet là normalement. Mais merde! Pourquoi je peux pas activer mes pièges? Pourquoi les pièges je peux pas les activer? C'est quoi ce bordel? Est-ce que revenir sur la doc est la meilleure des idées que j'ai eues? Non. Clairement non. Mais soyons honnêtes, c'est pas si mal passé. Apparemment il y a un passage par là, qui plus est. Tourne. Merci. Ok. Là ils sont pas censés pouvoir me retrouver normalement. J'ai rien dit, ils vont tourner. Ils m'ont pas vu. Ça se passe bien. Et les flics à gauche. Ça se passe bien. C'est bon. Wouah. Putain, je viens de voler un cadavre. Comment c'est bizarre. Va falloir que tu t'en débarrasses vite fait, gamin. Où ça? Devant le siège du FBI, ça devrait le faire. On dirait que t'as mis un bon coup à ces enfoirés de flics. Écoute ça. Et boum! Dites à Kestrel de prendre la prochaine navette, il n'a pas intérêt à être en retard. Oui, monsieur. Cooper, terminé. Cooper, on a un nom! On a un nom! Histoire de voir si ça va m'aider ou pas. Mais on a un nom, on a Cooper. Hein. Sheldon Cooper, sans doute. Hein. De toute façon, j'ai toujours su qu'il finirait mal. Référence à The Big Bang Theory, hein. Hop. Cassez-vous de mon chemin. Sortez du véhicule. Bonjour le FBI. Ils sont sympas les bureaux, dis donc. Là. Ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire, n'empêche. Bon. Mission accomplished. Mission accomplished. Et donc? Oh! Que ça tourne mal, hein. Non, Marcus, t'es chiant, dis pas ça. Crois que ça porte la poisse. J'y penserai quand je serai en train de me faire buter dans une prison abandonnée. Ouais. Moi, avant ça, j'aimerais d'abord aller voir s'il y a pas un monsieur, je vends plein de choses. Voilà. Ce monsieur-là, il vend plein de choses. Il vous rachète toute votre babiole. Et surtout, il vous revend des munitions. Comme ça. Bon. Bah, finalement.
Bonjour. Chauffeur. Ah, trop cool. Je vais sur le rocher. J'y suis jamais allé quand j'étais petit. Attends, toi aussi t'es fan d'Alcatraz? Bah oui. Ah ouais, comme tout le monde quoi. Ok, c'était en quelle année les meutes du réfectoire? Laquelle? Oh le geek. No life. Quelle est votre urgence s'il vous plaît? C'est bon ça. Ok. Ah oh, putain, mais j'aimerais bien. Le jeu me fait du mal. Hop, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. On va pas s'embêter, on y va. Sans réfléchir, on y va. On est où dans l'épisode? 10 minutes. On a un quart d'heure pour faire l'émission, c'est faisable. Yo. What's up, bro? Non, ce n'est pas du racisme. C'est pas parce que je dis ça comme ça que c'est du racisme. C'est une référence. Ce qui veut dire qu'une certaine culture pop est raciste, effectivement. Ramasse ton arme. Bah tu me diras, normalement les gens ils devraient voir que c'est des armes en plastique quoi, je veux dire. Ah non. Mais c'est pas faux ce qu'il fait hein. Parce qu'en vrai le lierre tu peux pas grimper dessus hein. J'ai essayé une fois, je suis tombé de haut littéralement hein. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Eh bah c'était plutôt I believe I can fall hein. Ça m'a fait mal. Enfin bon. C'est pas ça qui m'a filé le vertige. C'est-à-dire qu'avant, moi, je grimpais partout. Mais vraiment partout. J'ai des arbres où je suis pas censé grimper dedans, je grimpais dedans. Et un jour... Le serveur du CityOS devrait être au sommet de la prison. Je faisais de l'escalade pour l'école. Je voulais obtenir une bonne, très bonne note en sport. Et du coup, bah, l'autre partie de l'escalade, c'était assurée. Et du coup, il y avait une fille qui voulait... qui trouvait personne pour l'assurer. Du coup, je me suis dit, bah écoutez, je vais le faire. Je l'ai fait. Et faut que je grimpe à l'intérieur. J'ai grimpé, elle m'a assuré. Puis le prof, il a dit, c'est bon, ok, tu peux le redescendre. Elle me fait, ok, elle fait, ok. Et elle lâche la corde, l'assurance. Alors que moi, je venais juste de me lancer, vous savez, pour retomber plus vite, quoi. Et bah heureusement que le prof était là. Sinon il y aurait peut-être pas de Marcus bonus aujourd'hui. Parce que le prof a rattrapé la corde au quasi dernier moment et je me suis retrouvé à entre 10 et 15 cm du sol suspendu en l'air et je me suis bouffé le mur parce que quand il m'a rattrapé, bah j'ai blam le mur quoi. Donc voilà. Voilà pourquoi depuis ce jour-là, j'ai le vertige, parce que quand on tombe de 20-25 mètres de haut en chute libre et qu'on se rattrape à 15 cm du sol, on a peur maintenant. C'est logique, hein. Maintenant j'ai peur de grimper à quelque chose, c'est fou, hein. Même si c'est pas de ma faute, moi je sais grimper, mais... Voilà, ça fait chier. Ok, c'est bon. Il y a plus de données que prévu. Du coup, ça risque de prendre un moment. T'inquiète, okay. J'ai une vue magnifique là. Ok. Ah, c'est la merde. Il y a des vidéos où on voit des flics tuer des gens sur le rocher. Il y en a déjà 5 ou 6. J'ai intérêt à me casser d'ici sans me faire remarquer, si je comprends bien. Pas le temps. Caméra 11. Oula. Oh merde. Merde, ils sont là. Ce type, ça doit être Kestrel. Sors de là, Marcus. Non, il nous le faut. Et vivant. Lui peut confirmer la liste de noms qu'on a récupéré. Les flics sont déjà à l'intérieur. On n'arrivera pas à te sortir de là. Je vais faire ça à l'impro. Ok. Ok, c'est parti. Pas les meilleures chaussures. Hein. Attends, écoute. Chut. Écoute. On a un agent à terre. Ah merde, il l'a vu. J'ai entendu des coups de feu.
T'as rien entendu du tout, oui. Allez, on charge. On y va. C'est bête, hein. Oh que si, je vais vous échapper. Voilà. Un de plus. À toutes les unités, on arrête de chercher. Ah bon? Parce que si je suis plus un problème, les mecs, faut me le dire. Je suis très très bien comme ça. Oula. Ok. 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 Merde, ils m'ont vu. Mais what? Putain, il est en armure lui. Hop, putain, ça l'a pas tué. Et ton armure, elle te protège pas des headshots, hein, mec, hein. Hop. Oh, c'est épique, mais j'ai envie. Alors, est-ce que je peux recommencer la truc ou pas? Parce que, franchement, j'aurais voulu le faire. Est-ce que j'aimerais bien la recommencer? T'es sérieux là? Ok. Ah non, je suis mort. Allez, on saute. Ah non, je suis pas mort. Je croyais mourir. J'aimerais mourir, s'il vous plaît. Non, bon bah tant pis. Est-ce que tu peux me tuer? J'aimerais refaire cette mission. J'aimerais refaire cette mission, vas-y tue-moi. Merci. Je vais la refaire et je veux la faire en full stealth. C'est pas grave, ça va me prendre 30 minutes, c'est pas grave. Je ferai ce qu'il faut. On va le faire en full stealth, chers amis. Libérer le témoin, c'est bon, on est dedans. Allez, je peux voir mes armes ? Parfait. On y va. On y va, on y va, on y va. Ok. Ok. Il y en a un qui prend l'escalier. Merde! Quoi?
Oh, fais chier. Fais chier, fais chier. Vas-y, tue-moi. Vas-y, allez. Merci. Pourquoi? Je me suis fait avoir comme un bleu. Donc c'est absolument pas là en fait qu'il faut que j'aille pour le buter lui. Il faut vraiment qu'il vienne ailleurs ou que je le bute de quelque part d'autre. Sinon ça va pas le faire. Ok. Ah y a mon chien qui m'appelle apparemment. Ah bah ça va, gâte-toi les couilles. Y'a pas de soucis. Oh non. Bon bah vas-y, tire hein. Et tirez-moi dessus. Merci. Ah bah voilà. Vous avez été éliminé. Oui bah je sais bien que j'ai été éliminé. Ce que je veux c'est réussir cette mission en mode stealth, si c'est possible ou pas. Mais c'est vrai que ça va être compliqué, on peut pas déplacer les corps ni rien. Ok, allons-y. J'ai fait ça, c'était stupide. J'ai fait ça aussi, c'était stupide. Non! Putain, mais ah, c'est saoulant! Bon, on y va! Allez, tant pis! Évite de t'approcher trop de là, Marcus! Les portes aussi, c'est de la merde! Putain, mais tu sors d'où, toi? Merde. Mais merde, mon dieu. Ouf. Ah bah oui, il était juste à gauche. Ok, ça va être extrêmement compliqué, en fait. Hein. Wouah. Moi qui me disais 15 minutes, ça va être suffisant, mais non. Ok, on y retourne. Allez. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai lancé l'attaque B, il s'est levé pour le faire, mais il a pas voulu. Hey, t'as entendu ça? Désolé. Est-ce qu'il m'a entendu marcher plus qu'il m'a entendu... Ok. Ah ça va, vous êtes pas venu. En petit comité, si je puis dire. Ok. Je vais voir s'il est là-bas.
suis pas sûr que ce soit la meilleure idée que j'ai eue, ça. Eh oh! Et même un hélicoptère. Ok. Ils me trouveront pas. Ils me trouveront pas. Allez, vas-y, passe! Où est-ce qu'il est, putain? Oh putain! J'ai du bol. Il est au-dessus. Oh, j'ai cru que j'allais y passer. Là, ils sont deux, je peux plus. Établissez un périmètre. Ouais, ça a l'air ok. Je vais aller voir ailleurs. Je vous en prie, me tuez pas. Ouais, ça a l'air ok. Je vais aller voir ailleurs. Ok. Secteur nettoyé. Je continue. Je me suis pas engagé. Merde. Merde, 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 merde. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu du tout. J'en ai plus. Ok. Ok. Cherchez-moi autant que vous voulez. Vous me trouverez pas. Trouvez la carte d'accès. C'est pas le bon truc, ça. Oh merde. La carte d'accès est à l'extérieur. Ou elle est sur un cadavre à l'intérieur. Ok. Comment ils ont fait venir une voiture? Merci. Ok. Je l'ai. De toute façon, apparemment, ils ont pas l'air d'avoir envie de revenir sur l'île. C'est une bonne nouvelle. Allez, bonjour. Vous allez vous en sortir, monsieur le témoin. Moi, je me tire d'ici. Ouais, c'est une bonne idée. Ah bah... Oh la vache, il a été rapide. Quitter l'île d'Alcatraz. Pourquoi pas? Je sais pas si monter est véritablement la meilleure des solutions. Ok, apparemment il y a un hélicoptère. Wow. Et je peux hacker l'hélico ou... Non. Ah non, pourquoi? Merde. Est-ce que vous croyez que ça pue vraiment? Ok. Bzzt. Attends, écoute. Je
allez voir par là-bas. Ok. Ok. Putain. Ah merde. Ah la vache. Mais vise mon dieu. Oh j'étais abattu. J'étais abattu. Il s'est retrouvé coincé. J'étais en train de la... Putain, j'étais en train d'appuyer sur RT. C'est ça. RT oui. Mais il a pas voulu. Bon. On va pas y arriver chers amis. Faut la refaire. Oh putain. Ok. Blacky bug. Ok, de deux. J'essaie de le mettre à l'écart, mais j'arriverai pas. Attends, c'était quoi ça ? On va aller voir. Eh ben si, c'est con hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit truc ? Ça va être plus compliqué que prévu, j'ai l'impression. Est-ce qu'il est dedans ou dehors ? Merde, maintenant il est plus au bon endroit. Ok. Merde. Je peux pas le faire. Non. Ah, je suis coincé. Ah, attendez, non, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Peut-être pas. Vas-y. Hey, ouvre la porte. T'as l'air à moitié con. Bon, on va faire avec ça déjà. C'est qu'à la clé. Bien, c'est le mec qui est là. Fais chier. Ah non, c'est le mec qui est là. Ok.
Ah merde. Merde. Ok. Ok. Dommage, j'aurais bien aimé avoir... Non, c'est juste un problème électrique. Perdu. Bon. Allez. Viens, je t'attends. Et putain. Voilà, viens, je t'attends. Oh bah lui. Pauvre truc. Désolé. Pose ton arme et mets les mains en l'air. Non. Tu peux continuer à le demander poliment, mais ça va rien changer, hein. Ok. Ok. Jusque là ça se passe assez bien. Le problème c'est que j'ai l'impression que tous ceux que j'ai enfermés vont continuer à appeler les flics continuellement. On va descendre, on va y aller. Allez, sors. Voilà, c'est bien, tire-toi. Je t'ai fait les poches au passage. Moi, je vais aller par là. Crac. Je crois que si je me dépêche suffisamment vite... Enfin, si je me dépêche suffisamment vite... Tout est relatif. Dispersez-vous, on ratisse la zone. Hop. Merde. Allez, monte. Allez. On y va. On se casse. J'ai pas de turbo sur les bateaux. Comment je vais faire? J'ai pas de turbo sur mon bateau. Je sais même pas où qu'ils sont les mecs. Ah! Ça devait pas se passer comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord.
Oui, je suis occupé. Regardez bien partout. Objectif atteint, d'accord. Ok, Kestrel. Hello. Bonjour. Ça marche, truc. Ouais, ça marche. Tout va bien ? Ça va. Je suis à l'abri. Cette mission était pas top. Parce que finalement, enfin, je vais expliquer après. Témoignez si vous voulez vraiment me remercier. J'y compte bien, mon ami. Faites attention à vous. Ah, il y avait un caillou. Alors, cette mission est pas top, et je vais vous dire pourquoi, chers amis. Parce qu'en fait, elle montre les limites du gameplay du jeu en termes d'infiltration. Et en fait, c'était clairement pas possible de la faire sans. Parce qu'en fait, la plupart des personnages sont immobiles, restent groupés, et finalement, on n'a pas suffisamment de capacité. Je suis dead. Je suis dead. Sec. C'est un truc de fou ce que t'as fait, gros. Tu t'es échappé de The Rock. C'est la classe mondiale. Il est à genoux devant moi. Tu me laisses. Allez, écoute, écoute. Je peux juste dormir 2 ou 3 mois si ça vous embête. 2 ou 3 mois. Allez. Bon, ok, 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 je me lève. Qu'est-ce qu'il y a ? Et voilà. Nous sommes en compagnie de la conseillère municipale Miranda Comey. D'accord. Ce nouveau coup porté à la réputation d'Oakland. Merci, Shirley. Mais je dois dire que sans les actions des lanceurs d'alerte et l'aide d'un témoin oculaire très coopératif, nous ne pourrions pas être ici. J'ai le grand plaisir d'annoncer que nous venons de lancer une enquête interne approfondie avec la coopération des forces de police d'Oakland. Nous voulons refaire de la police d'Oakland une structure appréciée. Ah, ça va s'arrêter là-dessus, on va pas savoir ce qu'ils vont faire exactement pour ça. Ok, alors, vas-y, Detsec, fais péter. Citoyens de l'ère numérique, bienvenue. Merci. Des policiers d'Oakland ont voulu se baser sur des analyses prédictives pour réduire la sécurité. Au lieu de ça, des policiers corrompus les ont utilisés. Et certainement pas pour protéger leurs collègues honnêtes, mais pour se livrer à toutes sortes d'activités illégales. J'ai des poils partout. Comme trafic de drogue et crime organisé. D'accord. Sans hésiter à tuer leurs opposants. Encore, et encore, et encore. Une enquête officielle a commencé au sein de la police d'Oakland. Mais le vrai coupable, l'algorithme prédictif de Bloom, lui, court toujours. En dépit des rumeurs, ses créateurs prétendent qu'il est impartial. Nous pensons qu'il était facile à corrompre, car les filtres qu'il propose, identifier les petits, les faibles, les pauvres, étaient déjà codés. Si on veut connaître la vérité, Bloom doit donner le code source. Detsec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Ouais. Attendez, attendez. Il faut voir la vision d'ensemble. Qu'est-ce qu'il nous fait encore, Lutachi ? Allez, on inspire. Tout ce que fait Detsec contribue à notre scénario, et on expire. Est-ce que cette scène mérite le coup ? Detsec est une distraction. Mais c'est notre distraction. Je vous laisse méditer là-dessus. Namasté. C'était donc du yoga, sans doute ? Ok, bon bah voilà, chers amis. Écoutez, on va se laisser là pour cet épisode, je pense, qui a duré bien plus longtemps que prévu, dans 40 minutes à peu près, je dirais. 43, vous voyez, donc c'est beaucoup trop long. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!